Quel mauvais rêve. Que nos chi et nos dieux empêchent la mort de venir vers nous avant le temps. Chia quoi. Mais je dois informer Mbeke pour faire certains sacrifices pour éviter ce mort. Oh, juste dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, j'étais en train de tousser depuis hier. J'ai toussé tellement. Et je ne pouvais même pas dormir la nuit dernière. As-tu eu de la fièvre? Ça va aller. Regarde-moi. Ouvre tes yeux. Allez. Ouvre tes yeux, regarde-moi. Oui. Ouvre ta bouche. Allez, ouvre. Ah. Mais d'où est-ce que ça vient? T'inquiète surtout pas. Ça va aller. Allez, avale. Mâche et puis avale. Vas-y, fais-le. Continue. Ça va t'aider. Allez, mâche. Ne les crache pas. Avale-le. Avale. Calme-toi. Avale. Du calme. Oui. Comme ça. Ça va aller, oui. Thank you.
Jeune dame, vous êtes vraiment chanceux parce que je suis le fils de la personne que tu cherches. Vraiment? Oui. Je peux voir que vous êtes vraiment malade. Donc, je pense qu'on doit partir. Oui, s'il vous plaît. Ok, allons-y. Ça va. Doucement, ça va. Doucement, lève-toi. Fais l'effort. Ça va. Je t'assieds. Tu vas t'en sortir. Juste au moment que elle va te donner quelque chose. Tu te sentiras mieux. Je t'assieds. Doucement. Ça va. Premièrement, de la maladie et aussi grâce aux médicaments. Tu iras bien. Ah, mais d'où est-ce que ça provient? Hein? Je crois que je dois annoncer ceci aux anciens. Comme ça, les villageois viendront ici prendre les Exactement. Herbes, n'est-ce pas? Hein? Doucement. Ça va aller. Ok. Tu vas guérir. Continue de prendre les herbes que je t'ai données. Hein? Tu vas guérir. Hein? Donne-la. Ok. Allez. Allez, allonge-toi, ma fille. Avant le coucher du soleil, je te donnerai encore les tisanes. Merci beaucoup, maman, de m'avoir aidée. Maman, j'espère qu'elle va s'en sortir. Elle ira bien. Je viens de dire qu'avant le coucher de la nuit, je lui donnerai encore une autre tisane pour nettoyer son système. D'accord. Tu n'iras plus là-bas? D'accord, maman, je pars justement le prendre. Fais vite. D'accord. N'oublie pas de me ramener ce que je t'avais demandé. Pourquoi? Je suis une enfant. Venant du village de Mouzi. Ah.
Comment as-tu traversé la forêt pour arriver jusqu'ici? Je suis venue prendre de la route. Mes parents étaient aussi des cancers avant que le maire. Alors, j'utilise des plantes pour traiter quelques villageois. Je suis vraiment désolée. Merci, Né. Oh, bonjour, maman. Vous êtes revenue. Oui, maman, oui. Alors, comment va votre grand-mère? Maman, elle va bien. Elle vous a dit de vous apporter quelques cadeaux. D'accord. Vous pouvez entrer dans le salon discuter plus tard. Maman, oui, Ikena. Oh, Ikena est allée me chercher quelques plantes. C'est mes filles. Elles étaient allées rendre visite à leur grand-mère. Elles sont jolies. Juste, allonge-toi. Tu dois te reposer. Je suis sûre que tu as faim. Laisse-moi aller te faire quelque chose à manger. Merci. Que voudras-tu manger? De la viande ou les poissons? Tout ce que vous voulez, maman. Je suis ravie parce que maintenant tu souris. C'est quoi ça? Mon ami, va puiser de l'eau là-bas. Si je n'étais pas venu avec toi, je savais que tu n'allais pas retourner avec de l'eau à la maison. Mon ami, va puiser de l'eau. Oh. Ah! Ah! Mon estomac! Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu peux revenir quand tu veux sans toi à l'aise. Je t'ai supplié de rester avec moi, mais tu as refusé. Qui suis-je pour t'empêcher de rentrer à la maison de ton père? Maman! 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 On l'a déposé ici. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, non, attendez. Doucement, allez, déposez-les. Oui. Oudjou, quand il est tombé, il a directement fermé ses yeux. Oui. Il souffre de moments. Comment ça, au moins? Quand je n'ai jamais entendu parler de ça. Ne vous inquiétez pas, maman, je vais l'aider. Oudjou, pour moi, un morceau de bras et la place d'un pour moi. Mon fils. Tout ce que tu apportes. Allez, va vite ramener cette feuille, idiote que tu es. Tu es vraiment une idiote, toi. Maman, prenez. Ne vous inquiétez pas, maman. Il va bientôt se rétablir. Es-tu sûre? Bien sûr. Hugo, merci pour avoir restauré la vie de mon fils Nick. Merci. Que le Dieu continue de bénir. Mais je suis celle qui devrait.
vous chuchoter. Maman, Ogoma, mes sœurs et moi avons discuté et nous avons décidé que tu restes. S'il te plaît, reste avec nous. Avec nous trois. Ogoma, tu as sauvé notre frère et sache que tu es devenue notre sœur. Notre mère nous a dit que tes parents ne sont plus et sache que nous t'adoptons comme notre sœur. Désormais, notre mère est ta mère et nous toutes sommes devenues tes sœurs. Ogoma, merci. Merci de m'avoir sauvé la vie. Que Dieu te bénisse. Oh, tu vois, il vient de le dire. C'est aussi ce que je t'avais dit. Je t'ai supplié de rester avec nous, mais tu refuses alors. Peut-être que tu vas accepter cette fois-ci. Je veux vous remercier tous pour l'amour que vous me montrez. Et j'accepte de rester avec vous comme une seule famille. Ougomo! Ougomo! Oui! Sois la bienvenue dans notre famille. Merci. Prends ça. Oh, nous étudions souvent ces racines. Tu vois ces plantes? Si tu piles et tu appliques, c'est bon pour le démachaisant. Même quand quelqu'un a un problème de cuisson, ça soulage. Salutations, Pézé. Mes salutations. Salutations, grande fille de notre terre. Salutations, Béké, la fille de Ikengono. Où allez-vous cet après-midi? Je me dirige vers la rivière. Oh, quels esprits vous accompagnent? Il s'est. Qui est-elle? Son nom, c'est Ogoma. Elle est mon apprentie. Elle est très bénie. Elle a beaucoup de connaissances sur le plant et le veille. Il y a quelque chose de très étrange avec elle. Oui, c'est vrai. Elle avait guéri mon fils avant-hier. Beke, je m'en vais. Oui. Nous nous verrons demain. Nous aurons beaucoup à se dire. D'accord, mon sage. Bonne nuit. Regardez comment vous tous êtes en train de lui donner des cadeaux. Vous avez oublié que moi, votre frère, c'est moi qui l'ai trouvé sur la rive. Je l'ai amené vers maman. Et alors, je mérite quelques cadeaux aussi. Donnez-moi mes frères. As-tu déjà oublié que c'est elle qui t'a sauvé? Hein? Onokube? Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? Alors qu'il n'y a pas de l'eau dans la maison. Hein? De l'eau, toi, qu'est-ce que tu fais ici? Va là-bas et prends des vases. Tu peux pas t'asseoir ici alors qu'il n'y a pas de l'eau dans la maison. Va prendre quelque chose et tu pars puiser de l'eau à la rivière. Oka! Ah, mes amis, allez-y là-bas et allez-y puiser de l'eau. Vous préférez mes plaisanteries? Depuis quand vous préférez mes plaisanteries? Ah, pourquoi vous restez là? Vous ne savez pas où se trouve la rivière? Mes amis, allez-y puiser de l'eau. Bien, comment ça? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Va à l'intérieur et fais quelque chose dans la maison. Hein? Il y a plusieurs choses à faire ici. Va couper le bois de chauffage. Je voulais causer avec toi. Ou... Causer avec moi, comme ton mari. Tu veux causer avec moi? Je suis ton mari. Va là-bas. Mais qu'est-ce que tu restes de faire? Viens, je vais te dire ce que je vais faire. Viens, pourquoi tu t'enfouis?
Tu peux partir. Viens. Vérifie ses yeux. Et son ventre, oui. Maman, apparemment... Donne-lui qu'il avale ça. Allez, ouvre ta bouche. Allez, mange-les. Allez, vas-y, mange. Laisse-moi voir. Vas-y, mange-les. Mange-les. Donne-lui ça. Ça suffit, arrête. Allez, ajoute ça. Donne-moi ça. Tu peux partir. N'oublie pas de revenir demain. Ça va aller. N'oublie pas de revenir demain. C'est ton tour. Non, patiente un peu, prends l'autre. Commence avec elle. Elle est très souffrante. Assieds-toi. Commence. S'il te plaît, regarde-moi. Mes salutations, homme sage. Bonjour, Ikeda, fils de Okafo. Quand tu arrives à la maison, dis à ta mère, Mwake, dépasser mes voix, c'est très urgent. M'as-tu compris? C'est d'accord. Bonjour, maman. Bonjour. Ah, merci. Maman. En route, lorsque je venais à la maison, je vis comme sage. Il m'a demandé de te dire d'aller le voir, que c'est vraiment très urgent. Ah, il me l'avait dit. C'est juste que j'avais oublié. J'irai le voir cet après-midi, demain matin. D'accord. Maman, qui a dit?
C'est vrai, je te l'avais dit. Mais c'est une très longue histoire. Peu importe. Je vais essayer d'être brève. Si je la raconte en entier, elle ne l'aura pas fini aujourd'hui. Tu sais, quand je m'étais mariée avec mon mari, pendant 3 ans, je n'arrivais pas à concevoir. Et quelqu'un m'avait conduit chez le grand sage. Il avait fait 1 ou 2 trucs et par après, j'étais en mesure de concevoir. Et me voici aujourd'hui, avec 4 enfants. Maman, j'ai faim. Tu n'as pas préparé quelque chose? Va vérifier dans la cuisine. Maman, où sont les filles maintenant? Hein? Comment je pourrais aller à la cuisine alors que j'ai 3 sœurs? Tu connais le chemin de la cuisine. On doit écouter, maman. Salut, Ogoma. Salutations. Je vais te dire merci pour le herbe que tu m'as donné la fois dernière, le jour du marché. Je suis guérie maintenant. J'étais allée te chercher hier d'ailleurs au champ. Et s'il te plaît, accepte ces présents que je t'ai apportés. Mais tout ça pour elle? Oui, mes parents aussi vont te chercher pour t'exprimer leur appréciation. Merci beaucoup. Je suis contente que tu sois guérie. Oui. S'il te plaît, remercie tes parents de ma part. D'accord, merci. Bye. Tous les villages t'aiment. On ne parle plus encore de maman. Tout le monde parle de toi maintenant. Je le dédie tout à ta famille. Tu sais quoi? Courons vite et allons annoncer cette bonne nouvelle à maman.
Ah, bon, bienvenue. Ah, vous souriez de côté, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a offert au moins le père de son chez lui. Et elle était en train de la remercier de l'avoir offert des papas. Ah, entre moi. Et. Mais. Ah, Ougoma. Il y a de vu les gens qui viennent à peine de partir d'ici. Ils ont apporté quelques perles et aussi beaucoup de ressources de la cuisine. Es-tu sérieuse? Oui. Ils étaient venus ici tout joyeux en riant et en parlant de comment tu les as guéris. Hé, hey, mais voyez-moi cette petite Ougoma. Ah. Je suis contente de t'avoir dans ma maison. Hein? Sais-tu que tu nous rends à présent riches? Rien qu'avec ta connaissance, tu as une parfaite connaissance des plantes. Tu sais, telle plante, c'est pour telle maladie. Hein? Maman, ce n'est pas moi, ce sont les dieux. Ah, merci. Je suis heureuse. Ougo, Ougo. Ougo, ma gueule. Ougo, ma petite fille chérie. Maman. Hey! Qu'est-ce que tu faisais? J'étais en train de préparer le feu. Oh, yeah. C'est ça. Et non, maman. Tiens ça, allez. Prends ça. Dis-moi, comment on les appelle? Et ça sert à quoi? Ok, celle-ci, c'est pour la fleur. Ok. Alors, tu vas juste prendre trois feuilles. Deux feuilles. Comme ça. Tu le lis et puis tu vois son nom. Waouh! Va aussi me prendre la machette et je pars avec toi. Ah ah, si tu pars avec elle, qui resterait ici avec moi? Ok. J'espère que tu peux le faire toi-même. Oui, non. Vu que tu pars dans la forêt, rassure-toi d'aller tout droit, ne pars pas des côtés. Tu sais comment je te frappe. Et s'il te plaît, sois prudent. Sois prudent. Ne pars pas voir tes amis, hein. D'accord. Tu sais comment je te frappe. Ne pars pas ailleurs. Je voulais juste te demander, où est-ce que t'as pris toutes ces choses? Mes défunts parents étaient des guérisseurs. Alors, j'ai appris certaines choses auprès d'eux. Oh, je dois dire que tu apprends vite. Vraiment. Ikena! Ougoma! Oh, hey! Ikena! Où sont passées les filles? Maman, elles sont allées à Ougo. Oui. Oh, elles ne sont pas encore venues. Non, pas encore. Oh, elles sont là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, où est Ougo? Elle était partie couper quelques bois de chauffage dans la forêt. Ah. Dans peu de temps, le soleil va se coucher. Elle n'est pas toujours là. Maman, elle va revenir. Elle va revenir. Ne t'inquiète pas, maman. Elle va bientôt rentrer. Maman, je prépare avant que tu m'appelles. Laisse-moi continuer. Pas de problème. Quoi? Maman, moi j'ai pas fait. Bien, par là. Regarde-le. Maman, les aliments sont devenus trop chers au marché maintenant. Les aliments plus chers, l'argent que vous avez réuni n'a pas été suffisant pour tout acheter. Au moins, vous avez pu prendre quelque chose. Nous allons débrouiller avec ça jusqu'à demain. Allez, venez. Maman Ujo, maman Ujo, maman, hey, maman Ujo, hey.
Est-ce que tu as demandé à ses amis, ils t'ont dit qu'ils l'ont pas vu? Oui, j'ai demandé à ses amis, elles m'ont dit qu'ils ne l'ont pas vu. Et toi alors? Mon frère, je ne sais pas. S'il nous est jamais arrivé auparavant, hey! Qu'est-ce qui se passe? Oju n'est pas revenu. Hey! Êtes-vous sûr qu'elle ne vous avait pas raconté en secret où elle s'est rendue, les filles? Dites-moi. Non, non, maman. Maman, j'ai demandé. Je les ai demandé si elle était chez ses maman amis. Maman Oju! Maman Oju! Guini, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maman Oju! Hein? Le pire est arrivé. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Parle, parle. J'ai vu Oju mort. Hey! Maman! Hey! Maman! Hey! Mordue par un serpent. On va aller chez elle. Si, par hasard, elle mourrait, appelle-moi, on va y aller. Au fait, passons par là, notre retour de la rivière. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, qu'on y va ensemble? Cette femme, est-ce qu'elle mourra? Oju, pourquoi tu pleures? Mais dis-le-moi.
Dieu, dis-moi, pourquoi tu pleures? Dieu. Dieu. Déjà enterré. Peut-être que tu es en train de penser à propos d'elle. Mon frère, c'est bon. Ta nourriture est prête. Vas-y manger. Rien ne va arriver. Tout ira bien. La nourriture est prête. Je reconnais cette plante. Ok. Je ne m'étais pas trompée. C'est ça. Tu dois les laver ensemble et le mettre dans une casserole pendant 2 ou 3 jours. Par après, tu peux l'administrer à quelqu'un. Merci. Bonjour, maman. Bonjour, ma fille. Maman, je vais déposer de l'eau à la rivière. Il n'y a même plus une goutte d'eau à la maison. Dans ce cas, fais vite. Tu dois aussi laver mes habits. D'accord, maman. Prends soin de toi. Maman, nous devons préparer quelques plantes pour Eba. Tout ce qui était à la maison est déjà fini. Ougoma, je suis très fatiguée. Nous les ferons demain. J'ai juste dit, au cas où quelqu'un va les chercher. Ne les dis plus. D'ailleurs, va dans la cuisine, continue ce travail. Je dois me reposer. Je suis très fatiguée. Attention, ne fais rien. Nous les ferons demain. Oulema, Oulema, pourquoi tu t'es allongée ici? Oulema, pourquoi tu es allongée? Oulema, au sol. Oulema, Oulema, mais pourquoi tu ne parles pas? Oulema, 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 pourquoi? Tu nous as quittés. Il n'aura pas la paix. Même la terre va rejeter ton corps. Tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Et les dieux de nos ancêtres dira toute ta vie. Et que tu m'as pris le cœur. Ils te frapperont, diront tout le reste de tes jours. Les dieux te puniront et tu seras jamais heureux. Vraiment. Vraiment. Ne les laisse pas vivre, frère. Combattre-les. Rends leur vie misérable. Peu importe qu'ils soient. Bon après-midi, maman.
Ah. Bonjour, ma fille. Maman, on ne peut pas rester les bras croisés à observer et laisser les personnes qui ont tué mes sœurs. Maman, j'étais si fière de te lever et savoir la cause de ces morts. Le seul voyant que nous avions dans ces villages est mort. Je ne sais plus où aller. Je ne sais pas où trouver la solution. Maman, je connais un féticheur et il est vraiment puissant. Je crois qu'il trouvera une solution au problème. Si ça ne dérange pas, on peut aller le voir. On ne peut pas rester là, les bras croisés et voir mes sœurs mourir comme ça. Si tu connais un endroit où nous pouvons trouver la solution, je suis prête. Dans ces cas, préparons-nous pour partir demain. Ogoma, tu viens de m'appeler par mon nom? Ne me tue pas, s'il te plaît. Je t'ai amené jusqu'ici pour prendre ta vie. Oh, non. J'ai tué le féticheur. Dadiba, kai leje, leche nani, kai nanata, leche nani, Bado, aya nabia, mtu bando.
J'ai aussi pris la vie de Oulema. Mais...
et c'est vous demain. J'irai voir Ezebu. Je ferai de tout mon mieux pour lui donner des enfants. Merci. Arrête.
Hein? Edo. Edo. Osi le lo ledo. Hein? Ambamba chino chido. Je veux préparer un sacrifice spécial pour Ogongo. Et il y aura 4 enfants qui te seront donnés. Mais je veux que tu te rappelles une chose. Quand tu donneras naissance à ton dernier enfant, quelque chose de spécial arrivera au seuil de ta porte. Garde cela toujours en tête. Grand sage, je suis prête à affronter quoi que ce soit. Je n'ai peur de rien. Pourvu que je donne des enfants à mon très cher mari. Très bien. Grand sage, que voulez-vous qu'il fasse pour vous? J'espère que vous me paierez bien cette fois-ci. Parce que l'argent que vous nous avez payé dernièrement était vraiment insignifiant. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, je vous paierai très très bien. En fait, je donnerai à chacun de vous ce que j'ai en main, ici, là, maintenant. Le grand sage, la paye est très bonne cette fois-ci. Mais que voulez-vous que nous fassions pour vous? Je veux le cœur d'une fille vierge. Tant que le paiement est bon, à la même heure demain, considérez que c'est déjà fait. La récompense. Aisez-moi, considérez que c'est fait. On se voit demain. Ça, c'est son écartement. Laissez-moi. Voici le cœur des vierges. Merci les garçons, c'est très bien fait. Je n'oublierai jamais de vous appeler quand j'aurai besoin de vos services. Merci, Ezebo. Cependant, vous ne devez jamais oublier notre code. Que ceci reste secret. Oh.
Tiens. Quand tu arrives chez toi, trempe toutes ces feuilles dans une eau propre pendant 7 heures. Et vous la boirez avec ton mari après le dîner. Tes 4 enfants sont assurés. Merci, grand sage. Merci beaucoup, grand sage. Que Dieu soit avec toi. Il sait. Donnez-vous le wagano. Dans la terre de Hugo. Parce que la vie soit donnée, il y avait une vie qui était prise. Ugom, qui est cette personne morte qui est utilisée comme sacrifice? Dis-nous, tu la connais? Bien sûr que oui. Je suis cette jeune fille. C'est quoi cette plaisanterie? Mais de quoi tu me parles? Comment ça? Raison pour laquelle je suis revenue, pour venger ma mort. Je suis celle qui a tué Didi. Mon Dieu! Encore dit, Anna, viens. What you wonder? J'ai aussi tué un dieu. Gomme. Mon dieu. Ici, n'est-ce pas que j'ai été laissée à la maison? Je suis venue te tuer, ma chère. Ogoma, dis-moi que tu plaisantes. Alors voyons voir qui plaisante. Et j'ai tué votre mère. En allant chez Didi Bia. Ogoma, pourquoi? Pourquoi? S'il te plaît, dis-nous, mais qu'est-ce qu'on t'a fait, hein? Et maintenant, il est temps pour moi de vous tuer tous les deux. Ah! Ogoma, s'il te plaît, ne tue pas. On était tellement gentils avec toi. S'il te plaît, on était gentils. Hein? S'il te plaît, ne tue pas. C'était pas nous, c'était notre mère avec Didi Bia. C'était pas nous, on est des innocents. Le péché de la maman poursuivront les enfants. S'il te plaît. Votre maman et Didi Bia ont détruit ma vie. Et j'avais juré de détruire toute leur génération. Tu as déjà compris ta vengeance, tu as déjà vengé, non? Tiens, tu as déjà vendu sur notre mère, tu as déjà vendu sur Didi Bia, s'il te plaît, garde la vie. Non! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme
dans plusieurs langues.